Quelle importance un homme peut-il bien avoir sur le cours de l'histoire? Un homme peut-il introduire du neuf, faire dévier le cours de l'histoire et apposer sa marque sur son siècle? Ou bien n'est-il jamais que le jouet inconscient de forces qui le déterminent? De nombreuses écoles philosophiques et sociales ont eu tendance à minimiser l'importance des grands hommes pour insister bien plutôt sur l'histoire, sur l'économie, sur la société, etc. Pourtant, en dépit d'arguments parfois très convaincants, l'admiration générale pour ce que l'on nomme les grands hommes, les héros, n'a pas complètement disparu, comme s'il s'agissait là d'une caractéristique indéracinable au fond de notre être. Nous essaierons de voir pourquoi aujourd'hui avec Thomas Carlyle et sa conception du culte des héros. S'il est bien un sujet qui enflamme l'imagination et les rêves, c'est celui des grands hommes qui font l'histoire, des héros qui renversent la fatalité et des génies qui ouvrent de nouveaux horizons. Cela nous fascine car cela rencontre au fond notre aspiration à la liberté et à la grandeur. L'exemple de ces grands hommes inspire nos actions et nous fait espérer atteindre, un jour peut-être, leur hauteur. Mais l'importance de ces grands hommes est néanmoins bien souvent relativisée par de nombreuses écoles philosophiques, de gauche comme de droite d'ailleurs. On juge la théorie du grand homme, comme on l'appelle, naïve, idéaliste ou péchant par excès de romantisme. Et cela n'est pas entièrement faux. C'est un excès de romantisme, en effet, de croire qu'un homme, par la seule force de sa volonté ou de son génie, puisse triompher de l'adversité et remodeler entièrement la société. Mais peut-on réellement croire que le cours de l'histoire eût été le même sans la présence d'hommes d'exception? Que le sort de l'Allemagne, par exemple, eût été le même sans un Frédéric II ou un Bismarck? Ou que l'histoire de la musique européenne eût été la même sans un Bach, un Beethoven et un Wagner, et toutes les innovations artistiques qu'ils y introduisirent. Comme il s'agit d'une question éminemment importante, et non seulement d'un point de vue théorique et spéculatif, mais surtout du point de vue de l'action, il m'a semblé important d'aborder aujourd'hui la figure de l'homme dont le nom est le plus souvent associé à la dite théorie du grand homme, à savoir Thomas Carlyle. Je tiens à le dire d'emblée, je ne prétends pas du tout apporter une réponse définitive et tranchée à cette question du grand homme et du déterminisme. Je voudrais simplement exposer ce qui me semble encore valable et intéressant dans cette vision. Thomas Carlyle est peu connu dans le monde francophone. Quand on le connaît, c'est généralement pour certaines formules ou pour le surnom qu'il a donné à la science économique de son temps, à savoir la dismal science, la science lugubre. Pourtant, Carlyle est un penseur d'une importance capitale dans le monde anglo-saxon, à l'instar d'un Edmund Burke, par exemple, dont il se distingue pourtant. En effet, bien que très critique lui aussi de la Révolution française et des idées qui ont suivi, Carlyle se démarque des tenants de la contre-révolution classique, dirais-je, dont le but était la restauration de l'ordre ancien et pré-révolutionnaire. Il inaugure bien plutôt une nouvelle tendance dans la philosophie politique de droite, dans la pensée de l'ordre, une nouvelle tendance qui consiste à se référer aux valeurs héroïques et créatrices pour surmonter la crise. Et à cet égard, les idées de Carlyle sont à rapprocher de celles de Nietzsche, bien que ce dernier l'ait égratigné de temps en temps dans ses textes. Quelques mots sur Carlyle donc. Thomas Carlyle est un écrivain, un historien et un philosophe d'origine écossaise, né en 1795 à Ecclefechan, dans le sud de l'Écosse, et mort en 1881 à Chelsea, à Londres. Carlyle est l'auteur de plusieurs œuvres importantes, en particulier il est l'auteur d'une histoire de la Révolution française en 3 volumes qui eut un grand retentissement. Pour l'anecdote, l'écriture de cette œuvre fut quelque peu mouvementée. John Stuart Mill, qui était l'ami de Carlyle à l'époque, avait accepté d'éditer et de publier cette étude. Or, quand Carlyle eut fini d'achever le premier tome de celle-ci, il remit le seul manuscrit qu'il avait en sa possession à Mill, afin que ce dernier pût le lire et lui faire part de ses commentaires. Malheureusement, il se trouve qu'une des servantes de John Stuart Mill, un peu distraite, a pris ses manuscrits pour des brouillons inutiles et s'en est servi pour allumer un feu. Carlyle dut donc réécrire entièrement le premier volume avec plus d'ardeur que jamais. Il dit d'ailleurs l'avoir réécrit « direct and flamingly from the heart ».
Cette histoire de la Révolution, comme je le disais, eut un grand retentissement et lui apporta une certaine renommée. Bien qu'il jugeait assez sévèrement les horreurs et la terreur révolutionnaire dans son livre, son point de vue diffère de celui d'Edmund Burke sur le sens qu'il faut accorder à cet événement. Contrairement aux conservateurs irlandais, qui voyaient dans l'ancien régime d'avant la Révolution un âge d'or, Carlyle voyait dans la Révolution française un jugement inévitable de la folie et de l'égoïsme de la monarchie et de la noblesse. L'ancien régime était devenu selon lui un ordre insupportable, avec des droits historiques maintenus comme privilèges injustifiés, une incompétence administrative, une corruption des grands et une misère du peuple, etc. Ce furent les échecs de toutes les tentatives de réforme qui rendirent selon lui l'explosion inévitable. Néanmoins, si la révolution était en elle-même inévitable, cela ne veut pas dire que le cours de cette dernière obéissait à un quelconque déterminisme historique. Comme nous le verrons, pour Carlyle, ce sont les hommes qui font l'histoire, et il montre bien plutôt dans son étude plusieurs occasions manquées qui auraient pu changer la direction de la révolution. Ce n'est cependant pas ce texte de Carlyle qui va nous occuper aujourd'hui, mais bien plutôt un livre écrit 3 ans plus tard et qui est le fruit d'une série de conférences. Ce livre s'intitule, dans la langue originale, On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History, à savoir sur les héros, le culte des héros et l'héroïque dans l'histoire, et c'est ce livre qui est à l'origine de ce qu'on appelle la théorie du grand homme. Néanmoins, je tiens à le dire d'emblée, il ne s'agit pas de l'œuvre la plus séduisante de Carlyle d'un point de vue littéraire. L'auteur a en effet tendance à se répéter beaucoup d'une conférence à l'autre, et il fait même preuve d'une emphase qui a bien souvent assez mal vieilli, je trouve. Néanmoins, l'auteur fait preuve ici d'une réflexion historique très sérieuse et qui a une trop grande importance dans l'histoire des idées pour qu'on passe aussi bêtement à côté de celle-ci. En effet, dès la première conférence, Carlyle présente sa thèse générale dans laquelle il pose le thème dominant du héros ou du grand homme. Petite parenthèse d'ailleurs, le héros et le grand homme sont deux termes interchangeables sous la plume de Carlyle. Voici donc ce qu'il écrit dès la première page. Nous avons entrepris de discourir ici un peu sur les grands hommes, leur manière d'apparaître dans les affaires de notre monde, la forme qu'ils ont prise dans l'histoire du monde, les idées que les hommes se sont faites d'eux, l'œuvre qu'ils ont accomplie, c'est-à-dire sur les héros et sur l'accueil qu'ils ont reçu et le rôle qu'ils ont joué, ce que j'appelle le culte des héros et l'héroïque dans les affaires humaines. Trop évidemment, ceci est un ample sujet, qui mériterait d'être traité tout autrement que nous ne pouvons espérer le faire à présent. Un ample sujet, à vrai dire, illimité, vaste comme l'histoire universelle elle-même, car comme je l'entends, l'histoire universelle, l'histoire de ce que l'homme a accompli en ce monde, c'est au fond l'histoire des grands hommes qui ont travaillé ici-bas. Ils ont été les conducteurs des hommes, ces grands hommes, les modeleurs, les patrons, et en un large sens, les créateurs de tout ce que la masse générale des hommes a pu s'efforcer de faire ou d'atteindre. Toutes les choses que nous voyons accomplies dans le monde sont proprement le résultat matériel extérieur, la réalisation pratique et l'incarnation des pensées qui habitèrent dans les grands hommes envoyés dans le monde. L'âme de l'histoire du monde entier, on peut justement l'admettre, ce serait l'histoire de ceux-ci. Comme vous l'avez sans doute déjà compris en lisant ce premier extrait, Carlyle défend en fait 2 thèses. La première, comme il l'écrit un peu plus loin dans son livre, c'est que l'histoire du monde n'est que la biographie des grands hommes, et la seconde, c'est que le culte des héros est profondément ancré dans la nature humaine et qu'il constitue même un des fondements de la société humaine. Pour étayer son propos, Carlyle consacre les 6 conférences de son livre aux différentes figures que revêt le héros dans l'histoire humaine. La première est consacrée à la figure du héros comme divinité, à travers la figure d'Odin dans la mythologie nordique. Ensuite, le héros comme prophète, à travers la figure de Mahomet, le prophète de l'islam. Le héros comme poète, ensuite, à travers la figure de Dante et de Shakespeare. Le héros comme prêtre, à travers les figures de Martin Luther et de John Knox, le réformateur de l'église écossaise. Le héros comme homme de lettres, à travers les figures de Samuel Johnson, de Jean-Jacques Rousseau et de Robert Burns, le barde de l'Écosse. Et enfin, le héros comme roi, à travers les figures d'Oliver Cromwell et de Napoléon Bonaparte. Sans pouvoir évidemment entrer dans le détail de chacune des 6 conférences de Carlyle, je vais essayer de présenter la thèse générale qui fait le lien entre elles. Peu importe ce que l'on pense individuellement de chacune des figures choisies ici par Carlyle.
Chaque personnage présenté ici dans chaque conférence sont présentés comme des exemples archétypaux d'individus qui, dans leur domaine d'activité respectif, ont eu une importance considérable sur l'histoire d'une manière ou d'une autre. En effet, la phrase de Carlyle selon laquelle l'histoire du monde n'est que la biographie des grands hommes ne doit pas être mésinterprétée. Cela ne signifie pas que tous les facteurs de l'histoire, à l'exception des grands hommes, sont sans importance, mais que, en définitive, les grands hommes sont le facteur décisif en raison de leur génie unique. Bon ou mauvais, le grand homme n'est pas qu'un homme de talent qui combinerait les qualités de son temps, il est celui qui introduit un changement qualitatif dans la façon même de voir le monde. Un peu à la manière de Schopenhauer qui distinguait le talent du génie en disant, je le cite, que le talent c'est le tireur qui atteint une cible que les autres ne peuvent pas toucher, alors que le génie c'est celui qui atteint un but que les autres ne peuvent même pas voir. Le héros, le grand homme, pour Carlyle, est celui qui est porteur d'une idée ou d'un message qui le dépasse même largement. Qu'on y regarde de plus près parmi les grands hommes choisis par Carlyle. Prenons le cas de Martin Luther par exemple. On pourra bien évidemment recourir à l'explication socio-économique pour expliquer les raisons pour lesquelles un tel personnage a pu s'épanouir dans une époque donnée. On dira par exemple que c'est le développement de l'imprimerie qui a permis l'essor de la réforme protestante. Et cela est tout à fait exact, à n'en pas douter. En effet, comment le principe de la sola scriptura, de l'écriture seule contre l'autorité de l'Église, aurait-elle bien pu se répandre dans toute l'Europe sans la possibilité matérielle de diffuser, de transmettre l'écriture entre toutes les mains? Néanmoins, cela veut-il dire pour autant que l'importance de Luther fut nulle? Que si Luther n'avait pas existé, la réforme protestante aurait eu lieu de la même façon? Pour Carlyle, une telle conception d'histoire est la marque d'un esprit sceptique et dégradé. Voici ce qu'il écrit à ce sujet. Je sais parfaitement que dans les jours où nous sommes, le culte des héros fait profession de s'en être allé, et d'avoir finalement cessé. Cet âge-ci, pour des raisons dont il vaudra la peine quelques jours de s'enquérir, c'est un âge qui, pour ainsi dire, nie l'existence des grands hommes. Montrez à nos critiques un grand homme, un Luther par exemple, ils commencent par ce qu'ils appellent l'expliquer, et non l'adorer, mais prendre ses dimensions, et découvrir que c'est une petite sorte d'homme. Il a été la créature du temps, disent-ils. Le temps l'a appelé, le temps a tout fait, lui, rien, que nous, les petits critiques, n'eussions pu faire aussi. Ceci ne me semble qu'une œuvre mélancolique. Le temps l'appelait. Hélas, nous avons connu des temps qui appelaient assez fort leur grand homme, mais ne le trouvaient pas quand il l'appelait. Il n'était pas là. Car si nous voulons y penser, nul temps n'eût été nécessairement voué à la ruine s'il eût pu trouver un homme assez grand, un homme assez sage et assez bon, sagesse pour discerner vraiment ce dont le temps avait besoin, valeur pour l'y conduire par le droit chemin. Voilà ce qui est le salut d'un temps quelconque. Mais je compare des temps languissants et vulgaires, avec leur incrédulité, leur détresse, leur perplexité, avec leur caractère douteux et languissant, et leurs circonstances embarrassées, s'émiettant et s'écroulant de toujours pire détresse vers la ruine finale. Tous ces temps, je les compare au sec bois mort, attendant l'éclair jailli du ciel qui l'enflammera. Ceux-là sont les critiques de petite vision, je pense, qui crient « Voyez, n'est-ce pas la branche qui fait le feu ?» Nulle plus triste preuve ne peut être donnée par un homme de sa propre petitesse que la non-croyance aux grands hommes. Il n'y a pas de plus triste symptôme dans une génération qu'un tel aveuglement général pour l'éclair spirituel, avec foi seulement au tas de stériles bois morts. C'est la dernière consommation de l'incroyance. Comme vous l'aurez compris, Carlyle refuse la réduction de l'histoire à une causalité mécanique. L'inspiration et l'enthousiasme seuls permettent d'appréhender la vérité historique. Et c'est ce qui fut sa méthode en tant qu'historien, comme en témoigne sa biographie de Frédéric II de Prusse par exemple, méthode qui fit l'admiration de penseurs comme Léon Blois. Les circonstances favorables à l'émergence de grands hommes sont comme le bois mort qui n'attend qu'une étincelle pour l'embraser. Mais la puissance, la possibilité, n'implique pas le fait. Les périodes de crise impliquent l'idée de prise de décision, de redirection possible d'une société, mais rien ne nous condamnait à prendre telle voie plutôt que telle autre, selon Carlyle. Le grand homme impose sa marque sur son temps. Cela se marque sans doute plus fortement encore dans le cas du grand homme comme artiste, comme poète ou comme homme de lettres. En effet, on peut disserter pendant des heures sur les circonstances qui ont favorisé l'essor ou l'émergence du théâtre élisabétain, par exemple,
Il n'en demeure pas moins que sans la personnalité hors du commun de Shakespeare, nous n'en parlerions pas aujourd'hui. Et le fait que les œuvres de Shakespeare reflètent sans aucun doute les préoccupations de l'époque ou reflètent l'esprit anglais n'ôte rien à son génie propre qui a ouvert de nouvelles voies pour l'art dramatique anglais et européen. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, Carlyle ne rejette pas l'idée de progrès en lui-même. Il rejette certes expressément l'idée de progrès de l'espèce qui s'effectuerait sous la forme d'une ligne continue et progressive, ce qui lui paraît une idée complètement extravagante et confuse, mais il n'abandonne pas pour autant la perspective de progrès dans l'histoire. Seulement, le progrès des hommes se fait à travers l'œuvre des grands hommes, qui sont les vrais modèles de l'humanité. En effet, pour Carlyle, l'homme est à la fois un appreneur, learner, et un agisseur, doer. L'homme apprend avec l'esprit de ce qui a été et qui lui a été transmis, et ensuite, avec le même esprit, il pousse la découverte plus loin, il invente et imagine quelque chose qui émane de son propre fond. Par le mouvement du temps et des découvertes, aucun homme, dit Carlyle, ne croit ou ne peut croire exactement ce que croyait son grand-père. Par ses propres découvertes, ses propres expériences, il élargit sa vue de l'univers, ou ce qu'il appelle son théorème de l'univers, univers qui ne peut jamais être embrassé entièrement par aucune vue ou par aucun théorème, il l'élargit donc, et ce que son grand-père croyait autrefois, il ne peut plus le croire exactement, à moins d'y apporter certaines modifications. Et c'est là l'histoire de tout homme, dit Carlyle, et dans l'histoire de l'humanité, on voit cela additionné en grand totos historique avec ses révolutions et ses changements d'époque. Tout homme a donc besoin d'hériter de la sagesse du passé pour se former une vue de l'univers qu'il devra ensuite adapter à sa propre expérience. Et c'est à cet égard que le culte des héros est une nécessité anthropologique. Car il me faut maintenant parler de ce fameux culte des héros qui fait le titre de l'ouvrage, Hero Worship. En effet, la thèse de Carlyle n'est pas seulement que les grands hommes ont une importance déterminante sur l'histoire, sur le cours de l'histoire, mais surtout que nous leur vouons, consciemment ou non, un véritable culte. Car il nous est naturel, selon lui, d'admirer ce qui nous est supérieur, car c'est seulement dans cette admiration que nous pouvons nous dépasser nous-mêmes. C'est pourquoi Carlyle va même jusqu'à affirmer, je cite, « La société est fondée sur le culte des héros. Toutes les dignités de rang sur lesquelles l'association humaine repose sont ce que nous pouvons appeler une héroarchie, un gouvernement des héros, ou une hiérarchie, car elle est assez sacrée aussi. » Le duc signifie dux, conducteur. King, c'est König, cunning, l'homme qui sait ou peut. La société, partout, est quelque représentation, non insupportablement inexacte, d'un culte des héros gradués. Hommage rendu avec obéissance à des hommes réellement grands et sages, non insupportablement inexacte, dis-je, ils sont tous comme des billets de banque, ces dignitaires sociaux, tous représentants de l'or, et plusieurs d'entre eux, hélas, toujours sont des billets fabriqués. Nous pouvons faire avec quelques faux billets fabriqués, avec une bonne quantité même, mais non avec tous, ou la plupart fabriqués. Non, il doit survenir alors des révolutions, des cris de démocratie, liberté, égalité et je ne sais quoi encore. Les billets étant tous faux, et nul or ne pouvant être obtenu en échange d'eux, le peuple se prend à crier dans son désespoir qu'il n'y a pas d'or, qu'il n'y en a jamais eu. L'or, le culte des héros, est néanmoins, comme il fut toujours et partout, et ne peut cesser d'être jusqu'à ce que l'homme lui-même cesse d'être. Le fait que de nombreux hommes d'élite ne soient pas à la hauteur de leurs fonctions provoque notre indignation et fait que parfois nous nous insurgeons contre eux. Mais, contre toute attente, notre admiration, au fond, pour l'excellence et pour les grands hommes, ne tarit jamais vraiment tout à fait. Pour illustrer ce fait, Carlyle prend l'exemple du XVIIIe siècle. Ce qu'il méprisait le plus au monde était ce qu'il nommait le scepticisme, qui ne désigne pas seulement le doute intellectuel, mais bien plutôt, dans sa perspective, le doute moral, à savoir l'insincérité, l'infidélité, la paralysie spirituelle. Le scepticisme, avec son cortège de trivialités, de lieux communs et de formules creuses, représente pour lui le contraire le plus absolu de l'héroïsme. Or, le XVIIIe siècle, pour Carlyle, a marqué le plus grand triomphe de l'esprit sceptique, avec ses bavardages de salon et tous les persiflages de Voltaire. Le XVIIIe siècle fut tout le contraire d'un âge de foi, et donc d'un âge de héros, et on aurait pu croire que l'héroïsme s'en était allé à jamais, que les hommes cesseraient d'admirer ce qui leur est supérieur, préférant le ricanement à l'émerveillement. Et pourtant, contre toute attente,
le culte des héros, une forme de culte des héros, ressurgit là où on l'attendait le moins, telle une sorte d'hommage du vice à la vertu. Ce qui est notable, écrit Carlyle, c'est que les petits critiques ne peuvent entièrement déraciner des cœurs des hommes vivants une certaine vénération tout à fait particulière pour les grands hommes. Admiration ingénue, loyauté, adoration, quelque obscure et pervertie qu'elle puisse être. Le culte des héros dure à jamais tant que l'homme dure. Boswell vénère son Johnson très véritablement, même dans le XVIIIe siècle. Les incroyants français croient en leur Voltaire et éclatent autour de lui en un très curieux culte des héros, dans ce dernier acte de sa vie où il l'étouffe sous les roses. Il m'a toujours semblé extrêmement curieux ce cas de Voltaire. Vraiment, si le christianisme est le plus haut exemple du culte des héros, alors nous pouvons trouver ici dans le voltairianisme un des plus bas. Celui dont la vie fut celle d'une sorte d'antéchrist montre en revanche de ce côté un curieux contraste. Nul peuple ne fut jamais si peu enclin à admirer que ces Français de Voltaire. Le persiflage était le caractère de tout leur esprit. L'adoration n'y avait nulle part de place. Pourtant, voyez, le vieillard de Ferney vient à Paris, un vieillard chancelant, infirme, de 84 ans. Il sent que lui aussi est une sorte de héros, qu'il a dépensé sa vie à s'opposer à la terreur et à l'injustice, à délivrer des Calas, à démasquer les hypocrites dans les hautes places. Bref, que lui aussi, bien que d'une étrange façon, il a combattu en vaillant homme. Ils sentent également que, si le persiflage est de la grande chose, il n'y eut jamais un tel persifleur. Il est l'idéal réalisé de chacun d'eux, la chose qu'ils avaient tous besoin d'être, de tous les Français, le plus français. Il est proprement leur dieu, un dieu comme il le leur faut. Cet exemple est assez frappant, je crois, et peut nous servir à répondre à tous ceux qui méprisent, en parole, ce culte des héros. En effet, rien n'est plus étranger, en apparence, à cette admiration élitiste ou élitaire que tous les partisans des diverses idéologies égalitaires. Prenons le cas du marxisme par exemple, du marxisme et des communistes, on imagine sans peine tout le mépris que les intellectuels marxistes ont pu manifester et manifestent encore à l'égard de la théorie du grand homme de Carlyle. Après tout, ce sont les masses qui font l'histoire selon eux. Le sacro-saint matérialisme dialectique a déjà démontré mille fois que la théorie du grand homme n'est qu'une illusion, une illusion naïve et bourgeoise, que c'est l'histoire qui fait les hommes bien plus que les hommes ne la font. Pourtant, regardons un instant la pratique réelle des mouvements communistes. Quel mouvement politique a davantage développé un culte des héros ? Culte de faux héros peut-être, là n'est pas la question. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'importance que revêtent certaines personnalités d'exception dans l'histoire communiste, dans l'histoire des mouvements communistes. Ces personnalités ont une importance à faire pâlir les plus grands monarques des siècles passés. Prenons le cas de l'URSS par exemple. La figure de Lénine fut véritablement déifiée par le parti communiste en dépit de son athéisme et de ses prétentions matérialistes. Non seulement son nom fut donné à la ville de Saint-Pétersbourg, rebaptisée Leningrad, mais on érigea des statues à son effigie dans toutes les villes soviétiques. On alla même jusqu'à l'embaumer tel un pharaon de l'ancienne Égypte, et les multiples chants communistes en son honneur évoquent son souvenir à la façon d'un être surnaturel appelé à veiller sur le monde, comme en témoigne ce chant, exemple parmi tant d'autres, « Lénine, Siegda Staboy, Lénine est toujours avec toi ». J'ai mentionné le nom de Lénine, mais on pourrait évidemment mentionner également les noms de Staline, de Mao Tse-tung, de Ho Chi Minh ou de Pol Pot par exemple, et bien d'autres. Évidemment, on pourrait rétorquer que ce ne furent là qu'instruments de propagande employés par une dictature totalitaire. Prenons alors d'autres exemples. La jeunesse des pays occidentaux ne s'est-elle pas enthousiasmée, elle aussi, pour la figure angélique de Che Guevara, le révolutionnaire argentin, figure mythifiée par son martyr en Bolivie? Même un philosophe comme Jean-Paul Sartre, après l'avoir rencontré, déclarait, je cite, que Che Guevara est l'être humain le plus complet de notre époque. Même dans une époque comme la nôtre, qui professe à n'en plus finir des idées égalitaires de toutes sortes, le culte des héros bat son plein finalement plus que jamais.
Que ce soit à travers Martin Luther King, Gandhi ou Nelson Mandela, ces figures émancipatrices, comme on les appelle, cristallisent les espoirs ou l'admiration de millions de gens. Peu importe ce que l'on pense de ces différentes figures que je viens de citer, un fait demeure. Quand bien même toutes les traditions, toutes les organisations ou toutes les croyances qu'aient jamais institué les hommes auraient sombré et disparu, la certitude qu'il y a des héros et que ces héros nous sont envoyés d'une certaine manière ne disparaît pas. C'est pourquoi Carlyle notait ceci. Nous tous nous aimons les grands hommes et nous nous inclinons soumis devant eux. Et pouvons-nous même honnêtement nous incliner devant autre chose? Ah, tout homme vrai ne sent-il pas qu'il est lui-même exaucé par le fait de rendre hommage à ce qui est réellement au-dessus de lui? Nul sentiment plus noble ou plus béni n'habite dans le cœur de l'homme. Et pour moi, il est très consolant de considérer qu'aucune logique sceptique ou trivialité générale, insincérité et aridité d'un temps quelconque, avec ses influences, ne peuvent détruire cette noble loyauté ou adoration innée qui est dans l'homme. Dans les temps d'incrédulité, qui bientôt doivent devenir des temps de révolution, bien des choses s'écroulant, une douloureuse décadence ou ruine est visible pour chacun. Pour moi-même, dans ces jours où nous sommes, il me semble voir dans cette indestructibilité du culte des héros l'éternel diamant au-dessous duquel la confuse ruine des choses révolutionnaires ne peut tomber. La confuse ruine des choses s'émiettant et même craquant et culbutant tout autour de nous en ces âges révolutionnaires descendra aussi loin, mais pas plus loin. C'est une éternelle pierre angulaire à partir de laquelle elles peuvent commencer à se réédifier. Que l'homme, en quelque sens ou autre, adore les héros, que nous tous, nous révérions et qu'il faille que nous révérions toujours les grands hommes, ceci est, pour moi, le roc vivant parmi tous les écroulements possibles, le seul point fixe dans l'histoire révolutionnaire moderne, autrement, pour ainsi dire, sans fond et sans bord. Vous avez dans cette citation, je crois, le cœur des convictions de Carlyle. En dépit de toutes les destructions, de tous les bouleversements engendrés par les forces révolutionnaires de la modernité, le culte des héros, pour lui, est un fait primordial, un fait archaïque sur lequel réémergera une nouvelle forme de société régénérée et restaurée. Le culte des héros, selon lui, est même le roc sur lequel repose tout le système hiérarchique de la société. C'est parce qu'on a conscience de la haute valeur de certains individus qu'on accepte le principe hiérarchique. Néanmoins, la prédominance du culte des héros, cet invariant historique, n'en valide pas pour autant la justesse théorique de la théorie du grand homme. Après tout, ce culte des héros pourrait très bien être le fruit d'une illusion. C'est d'ailleurs un des reproches qui a souvent été adressé à la théorie du grand homme. J'ai mentionné le marxisme, mais c'est également le cas d'autres écoles de pensée, des écoles de pensée non égalitaires d'ailleurs. Je pense par exemple à la figure de Herbert Spencer, qui était un philosophe et un sociologue anglais, qui est à l'origine de ce qu'on nomme généralement le darwinisme social. Et en effet, quelques années après la parution du livre de Carlyle, Spencer lui avait répondu, il lui avait répondu ceci, je le cite, « Vous devez admettre que la genèse d'un grand homme dépend de la longue série d'influences complexes qui ont produit la race dans laquelle il apparaît et l'état social dans lequel cette race a lentement grandi. Avant de pouvoir refaire sa société doit le faire. » Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je ne prétends pas du tout trancher ici ce débat passionnant. Je voudrais simplement, pour terminer cette vidéo, dire quelques mots d'une réponse qui a été faite à Herbert Spencer. En 1880, en effet, le philosophe américain William James, frère de l'écrivain Henry James et fondateur du courant pragmatiste en philosophie, a pris la défense de Carlyle contre Spencer dans un article passionnant intitulé « Les grands hommes et leur milieu ». Dans cet article, William James montre que, selon lui, les causes pouvant rendre compte de l'évolution d'une société, d'une génération à l'autre, sont à chercher dans l'action accumulée des individus, dans leurs exemples, dans leurs initiatives et dans leurs décisions. Pour la philosophie de Spencer, au contraire, tous ces changements ne seraient dus qu'au milieu, qu'aux circonstances, qu'aux causes géographiques, aux atavismes héréditaires, aux expériences physiques, etc. En quelques mots, très brièvement, Spencer fait de l'histoire des sociétés humaines une histoire linéaire de la nature, passant par un stade qui commencerait par un stade primitif et homogène et qui se spécifierait de plus en plus jusqu'à un stade où tout est beaucoup plus complexe et hétérogène. Et en conclusion, le corollaire de cette théorie, la conséquence de celle-ci, est que les changements de la société, tous les changements de la société, seraient dus à tout
sauf aux actions des Beethoven, des Bismarck, des Napoléon, des Martin Luther, des Shakespeare, et j'en passe. La liberté humaine, dans cette optique, compte au fond pour rien dans cette équation. Or, dit James, l'erreur de cette philosophie appartient à l'ordre pratique. Il ne s'agit pas pour lui, pour le fondateur du pragmatisme, de discuter du bien fondé ou non de la croyance dans le libre arbitre. Peut-être en effet que toutes les actions humaines sont bel et bien prédéterminées par leur environnement social, par la biologie, par certaines causes géographiques, par une décision arbitraire de la volonté divine, peut-être, que sais-je. Peut-être en effet, dit James, que une intelligence omnisciente et omniprésente, capable d'embrasser d'un seul coup d'œil la totalité du temps et de l'espace, serait capable de voir donc l'enchaînement de toutes les causes amenant irrémédiablement, inéluctablement, à tel ou tel résultat. Mais l'entendement humain, dit James, n'est pas fait de la même pièce. Il n'a pas ce pouvoir d'intuition universelle. Son entendement l'astreint à n'apercevoir que deux ou trois sujets à la fois. En conséquence, dit James, il faut reconnaître que les causes qui expliquent la production de génie appartiennent à un domaine entièrement inaccessible à la sociologie comme à la biologie. La famille des Bach, par exemple, était composée de nombreux musiciens au talent immense. Mais pourquoi Jean-Sébastien fut-il le seul à devenir un génie? En fait, dit James, le philosophe doit accepter les génies comme des données, de même que Darwin accepte les variations spontanées. Ces données, une fois admises, le problème consiste, pour celui-ci comme pour celui-là, à rechercher en quoi elles peuvent être affectées par le milieu environnant et en quoi ce milieu peut être affecté par elles. En fait, continue-t-il, le milieu, d'une certaine façon, choisit son grand homme et une fois la sélection accomplie, c'est au tour du grand homme, de l'homme de génie, de modifier son milieu de façon originale et particulière. Ainsi, les transformations et les bouleversements qui surviennent dans une société d'une génération à l'autre proviennent principalement des actes et des exemples donnés par des individus. Leur génie se trouve adapté à la réceptivité du milieu. Leur génie se trouve adapté aux réceptivités du milieu, de telle sorte qu'ils deviennent des sources d'inspiration ou des sources de corruption. Comme le dit un proverbe très célèbre que cite William James dans son article, « Les grands hommes n'ont pas de famille, ils n'ont que des héritiers ». Ce que la pensée de Carlyle et à sa suite celle de William James réhabilite, au fond, c'est le pouvoir de l'initiative individuelle qui apparaît constamment dans la vie journalière et dont l'histoire des grands hommes offre des exemples analogues mais sur une échelle plus vaste. Les sociétés humaines, à l'instar des individus, présentent des possibilités ambiguës de développement selon qu'elles choisissent telle ou telle direction. Comme l'écrit William James, une guerre, par exemple, est un véritable point de bifurcation des possibilités futures. De même, une révolution ou un grand événement civique exerce une influence déviatrice dont les effets s'élargissent avec le cours des siècles. Les sociétés obéissent à leurs idéaux et il suffit d'un succès accidentel pour fixer un idéal comme d'un échec accidentel pour le flétrir. L'influence des hommes d'exception est donc tout sauf négligeable pour William James. Si Bismarck, donne-t-il en exemple dans son article, n'avait jamais atteint l'âge adulte, eh bien l'Allemagne, à son époque, passerait encore pour un nain politique aux yeux des autres nations européennes. De même, il nous faut un Rembrandt pour apprécier le contraste de la lumière et de l'ombre. Il nous faut un Wagner pour être initié à certains effets mélodramatiques ou un Dickens pour que notre sentimentalité s'en trouve relevée. Il faut admettre en tout cas, écrit William James, l'influence de l'homme de génie en tant qu'agent de fermentation comme un des facteurs de l'évolution sociale. La société peut évoluer de diverses manières. La présence accidentelle de tel ou tel ferment fixera la direction effective de cette évolution. Le perroquet possède le pouvoir d'imiter la parole humaine, mais ce don ne se développe point sans le concours d'une personne. Il en est de même des individus. Pour résumer, l'histoire, sans les héros, sans les saints, sans les poètes, sans les grands artistes, sans les génies, sans les chefs, est inintelligible. Ce sont ces grandes figures qui éclairent notre compréhension de l'histoire et des hommes. William James refuse donc de parler de lois historiques que la science n'aurait plus qu'à constater et dont chaque philosophe pourrait prédire les conséquences sans qu'il soit possible de les éviter ou de les modifier. De fait, comme il le remarque avec une certaine justesse, les lois de la physique elles-mêmes sont conditionnelles et présupposent ainsi. Je cite William James dans son article, il écrit ceci, « Le physicien ne dit pas
l'eau entrera en ébullition. Il dit, l'eau entrera en ébullition si elle est placée au-dessus d'un feu. De même, le sociologue, selon lui, peut tout au plus prédire que si un homme de génie d'une certaine classe montre la voie à la société, celle-ci le suivra très certainement. Le jeu des hypothèses maintient donc une tension active dans le cœur, dans l'esprit des acteurs d'un combat politique. Là où le déterminisme scientifique ou pseudo-scientifique, selon les points de vue, conduit au fatalisme le plus absolu en niant l'importance vitale de l'initiative personnelle, la théorie des grands hommes, au contraire, rehausse la valeur de l'action et constitue un véritable appel au combat. Or, c'est bien pour cela que Carlyle prend à ce point la défense des grands hommes. S'il souligne à ce point l'importance de l'action et de l'influence créatrice de certains hommes, ce n'est pas par une fascination démesurée et excessive pour des sortes de sauveurs providentiels, mais bien plutôt pour produire un appel des plus vigoureux à l'énergie individuelle chez ses lecteurs. Car une fois qu'on a pris conscience de la grande importance des conséquences que peut avoir l'action de certains hommes, le sens de nos responsabilités se voit par conséquent accru. Il n'est plus permis de se réfugier derrière de grands mots tels que les lois immuables, le destin, l'histoire, l'économie, etc. Il nous faut maintenant prendre nos responsabilités en main et affronter le réel tel qu'il est, fût-ce au prix de combats et de grands sacrifices. C'est ainsi, écrit William James, que le culte des héros se justifiera toujours et le geste de mépris du sociologue servira d'excuse éternelle à l'indifférence populaire qui accueillera ses lois générales et ses moyennes. La critique de Spencer est sans doute très forte et même très convaincante à bien des égards. Je vous invite d'ailleurs à vous y intéresser davantage de votre côté. Après tout, je n'ai fait que dire que quelques mots dans cette vidéo par faute de temps. Je voudrais néanmoins conclure en disant avec William James que ce qui fait la supériorité pragmatique de la théorie du grand homme sur les différentes théories déterministes est qu'elle est résolument tournée vers l'avenir et qu'elle constitue un appel au combat, alors que les autres servent bien souvent d'excuses à l'inaction. Car, en effet, si des hommes d'exception peuvent faire pencher la balance vers un plus grand nombre de biens, ils peuvent également en accentuer les maux. Un monde meilleur est donc à construire et le mal à combattre. C'est pourquoi le vitalisme héroïque de Carlyle est à la fois une morale de combat et de résistance. Face aux hommes de plomb, engoncés dans leurs vieilles habitudes stériles, nous nous devons d'être révolutionnaires, d'ouvrir un nouveau chemin vers de nouveaux horizons, d'adopter une attitude créatrice, mais face aux pires destructeurs, nous devons préserver les plus hautes valeurs humaines et mener le combat de front. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses à la fois sur la théorie du grand homme, sur le culte des héros et sur la figure de Thomas Carlyle. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite, et n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux habituels, je mettrai les liens en description de la vidéo. Et enfin, un petit conseil de lecture pour terminer la vidéo si cela vous intéresse. Si vous voulez découvrir davantage la pensée de Thomas Carlyle, vous pouvez évidemment lire le livre dont j'ai parlé aujourd'hui, donc sur les héros, le culte des héros et l'héroïque dans l'histoire. Il s'agit d'un livre très intéressant et passionnant à bien des égards, même si, comme je l'ai dit, certains aspects de l'ouvrage sont un peu vieillis, notamment dans son écriture, je trouve, mais vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. La plus grande œuvre de Thomas Carlyle est très certainement son étude sur la Révolution française, qui est très intéressante et qui tranche avec de nombreux ouvrages qui ont été écrits sur la question, en particulier pour la façon qu'il a de narrer cet événement, qui est très très intéressant. Et si vous voulez lire un livre sur Thomas Carlyle, qui est assez facilement trouvable sur Internet, Hippolyte Taine avait consacré une étude à Thomas Carlyle sur l'idéalisme anglais de Thomas Carlyle, qui est un petit ouvrage assez intéressant pour en découvrir un peu plus sur le style littéraire de Carlyle, ses influences et certaines de ses œuvres. Donc c'est si c'est une figure qui vous intéresse et que vous voulez connaître davantage, je vous recommande cette lecture. Et si vous vous intéressez surtout à la question de la théorie du grand homme, eh bien oui, le livre de Thomas Carlyle est très intéressant, c'est pourquoi j'ai fait une vidéo dessus. Mais en fait, je vous recommanderais tout particulièrement de lire l'article de William James qui est sur les grands hommes et leur milieu, qui est un article relativement court, mais très bien écrit, très clair, très synthétique,
et qui pour moi aborde cette question de la façon la plus claire possible. Donc voilà, William James généralement est assez agréable à lire, hein. Donc c'est une lecture que je vous recommande très sincèrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.